إلى انسكريت من قد انسكريت عندي يا عندي 50 من انسكريت هذه تنشور ونجي نعاود انسكريت هنا انا سمعت فيكم لا منين ده هل في استحالة في مرة فتقف إلى سان دينار عند سان دينار هي إن شاء الله ما يجب السلامي إن شاء الله هاي
أي خلي بس هذا اللي كان هنا قبل صحيح. Bonjour, c'est Flavia. Bonjour. Oui, donc, bonjour. C'est Flavia. Bonjour. Allez, très bien. Oui, oui, très bien. Allez, très bien. Donc, on va rattraper le TD. Et là, quand je suis à l'ouest, je répondrai aux questions à la TD, le cours Albert, si vous avez encore des questions. D'accord? La dernière fois, j'avais fait une vingtaine de slides, mais nous allons les faire rapidement. Bon, c'est M. Thierry. Voilà. Faut aller à la fin. Femme, tout ce que c'est qu'une population, c'est un ensemble de personnes, ou un ensemble d'animaux, ou un ensemble d'objets. Cette population est composée d'individus. Et des individus, c'est l'unité statistique. Ou la variable, l'individu, l'unité statistique, elle a des variables. Où les variables sahamu ont grande des modalités. Alors, je prends par exemple l'âge. L'âge, c'est une variable. Les modalités teha, c'est des mois, des années. Je prends une situation familiale, c'est ma variable. Les modalités teha, célibataire, marié, divorcé, veuf. Donc, les variables, on dit deux grandes familles. Les variables quantitatives, et les variables qualitatives. Quantitatives, qui a une quantité, qui a un chiffre, un nombre, soit en mètres, soit en centimètres, soit en litres, etc. Qualitatif, c'est une qualité. Mais qu'est-ce un chiffre? C'est l'alphabet. J'utilise l'alphabet TI. Alors, je reviens au côté qualitatif, à gauche. Le qualitatif, on dit zouge, on dit nominatif, on dit ordinal. Toutes les deux, elles sont qualitatives. C'est les caractères de l'alphabet, mais on dit un chiffre, je peux pas la quantifier. Donc, nominal, c'est un livre, une table, une voiture, mais qu'est-ce un ordre? L'ordinal, c'est un ordre chronologique du petit au plus grand, là, du plus grand au plus petit, qui m'a, par exemple, le niveau scolaire, qui est un primaire, moyen, secondaire, universitaire. Mais phénoménal, une voiture, une table, on s'en fout, la voiture est là ou là, une table est là ou là, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai mis en haut, le qualitatif, c'est observable. Je vois la qualité, mais je ne peux pas la quantifier. À droite, c'est quantitatif, c'est mesurable. Quelque chose que je peux mesurer, a une unité de mesure. Andra, qui est une continue, qui est une discrète. Discrète, c'est la même chose que discontinu. Continu, mais qu'est-ce qu'un qu'est pas? Discontinu, qu'est-ce qu'un qu'est pas? Alors, fait le discontinu, haja, oui, mais qu'est-ce que la virgule, oui, mais qu'est-ce que l'intervalle? Par exemple, un nombre d'enfants dans une famille, c'est 4 enfants, 5 enfants, 2 enfants. Par exemple, nombre de patients dans un hôpital, 150 malades, 200 malades, etc. C'est discret, maintenant, c'est la virgule. Continu, quand il y a un intervalle, quand il y a un espace. La taille de la personne, c'est 1 mètre et quelques centimètres. Le poids, c'est 40 kilos, 50 kilos et quelques grammes. Le glucose, c'est 1 g 26, 2 g 50, etc. La durée de vie, c'est 50 ans et 3 mois et 5 jours et 5 heures, et etc. Est-ce que c'est clair pour le type de variable? Oui, docteur. Oui, docteur. Eh bien. Alors, la variable quantitative, donc, elle est mesurable, elle a une valeur numérique. 5, 7, 10, 1000, 1 million, etc. Donc, je reviens à ce que je viens de dire. Continue, tu fous, ça, c'est un intervalle. Il y a une virgule. Là, discontinue, qu'il y a des gaps, qu'il y a des interruptions. C'est un nombre entier. Mais qu'est-ce que je fais là? 5, 10, 100, etc. Une variable qualitative, vous comme nominal, par exemple, la malade, non malade, la profession, etc. Une ordinale, qui m'a la douleur, la douleur, soit légère, soit moyenne, soit forte, soit très forte. Qu'il y a un ordre chronologique. J'ai passé comment placer les données, les valeurs sous forme de tableau.
قلت لكم بلي هاد لي دوني باش نستغلوهم اون لي مي دون ان طابلو. لو طابلو عنده سي كونديسيون. il faut qu'un tableau, il faut qu'il y ait un titre, on va le voir. Il faut qu'il y ait des axes, les ordonnées et les abscisses. Il faut qu'il y ait une source, il a un tableau qui est comme ça. Il a un tableau, j'ai une revue ou là, il a fait la revue. D'accord? En horizontal, c'est les lignes. En vertical, c'est les colonnes. Et Fouga, il y a toujours l'entête de la colonne. Tu mets où les deux colonnes, avec la troisième qui est le total. Tu mets où les lignes t'accompagnent. L'intérieur, c'est le corps du tableau et le titre du tableau, ainsi que le titre du graphe, on va le voir, il faut qu'il réponde à trois questions. Quoi, quand, où. Quoi, de, je parle de quoi, quand, l'année et où, l'endroit, ou avec accent, hein, avec, oui, avec accent circonflexe. Et bien sûr, la source des données. Et regarde le nom la dernière fois. Maintenant, on va passer au caractère qualitatif. شحال عندي الكاراكتر دو كاليتاتيف؟ شحال عندي؟ 2. لكن نومينال اوردينال. Très bien. Alors pour les deux caractères, qu'est-ce qui va pour les tableaux, c'est le même tableau. Voilà, le tableau تاعي عندي trois colonnes, les lignes ça dépend de mes données. هنا راني في الاوردينال مي لا ميم شوز بو نومينال كيف كيف عندي لا لا فوغا نيفو د انستركسيون سي ما فاريابل لي موداليتي تاعها سما سونز انستركسيون بريمير سكوندير سوبيريور نون نون اكسكيوزي موا هنا مخلطه فيها نومينال اي اوردينال من بريمير سكوندير الي اوردينال ني اون تاني سان نون ديكلاري في نومينال قلت لكم لا ميم شوز بو نومينال ولا اوردينال سي لو ميم تابلو ان ان اي c'est l'effectif serré. Son niveau, عندي 450. La fréquence, je dis, la troisième colonne, c'est la fréquence, elle est comme la formule maintenant, c'est le NI serré, c'est le néant, divisé par le grand N serré, ou là, le N serré, qui est 2505. Alors, pour le niveau primaire, c'est 1200 divisé par 2505, qui a appelé 0,48 ou la 48%. C'est le même tableau pour les caractères qualitatifs nominal et ordinal. Est-ce que c'est clair? Docteur, vous voulez ralentir un peu? Non? Vous voulez ralentir un peu? D'accord. Ça a fait de parler déjà. Est-ce que c'est clair pour le tableau nerf? Oui. D'accord. Mais le tableau, il n'est pas juste. Qui peut me dire qu'est-ce qui manque de tableau? Le titre. Ouais, oui. Je défie le titre. Le lieu wow. Et la distribution, c'est un niveau d'instruction. Oui. La date. Oui. Le temps. La référence. La source, mais c'est pas important. La source. Les trois, quand, où, en. On a une répartition, par exemple, de la population algérienne, donc selon niveau d'instruction. Donc, quoi, qui, population algérienne, par exemple, en 2018. Le tableau qui m'a raca, il ne vaut rien du tout. Est-ce que c'est clair? Et il faut tenir numéro du tableau. Là, on a plusieurs tableaux, dire au tableau numéro 1, tableau numéro 2, tableau numéro 3. D'accord? D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez compris comment calculer la fréquence, c'est là. Et le total des fréquences, c'est 100, bien sûr. Alors, maintenant, demain le tableau, le tableau est le même pour le caractère qualitatif nominal et ordinal. Pour la représentation graphique, les graphes tels caractère qualitatif, alors il y a deux types de graphes. Soit à droite, on appelle un graphe en secteur ou là un graphe circulaire ou là le camembert, mais le camembert on n'utilise pas beaucoup, à gauche, on appelle le diagramme en barre ou là en tuyau d'orgue. Orgue Howell Swartel, comme c'est un instrument de musique, il coffre les églises. Il se blesse des barres. On peut utiliser Heda ou la Heda. Alors, qui est un bas qui est une petite différence. Là, si je prends le diagramme circulaire ou la camembert ou là en secteur, je l'utilise
Je peux l'utiliser le caractère qualitatif. Andy, par exemple, le tableau TI, c'est la répartition, par exemple, de la population, je ne sais pas, je sais population, c'est petit, mais même la population algérienne selon l'état matrimonial en 2018, par exemple, à Sidi Bel-Abbès. Marie, il y avait une petite erreur de calcul, quelqu'un s'était rendu compte, mais le normalement un des 10, marié 1 sur 10, donc normalement 0,10, mais 0,35. D'où on a les fréquences théoriques, et je, comment calculer l'angle, le cercle théorique, l'angle est égal à 360 degrés, donc dire la fréquence théorique, 0,35, que je multiplie par 360, j'ai obtenu 126. Donc je divise mon cercle en 360, et je prends 126 qui correspond à marié. Est-ce que c'est clair? Oui. Ah bien. Oui, très bien. Donc j'ai pris un caractère qualitatif ordinal, j'ai pris un caractère qualitatif nominal. On peut utiliser les deux, mais ça me dit comme les circulaires. On peut l'utiliser le zouge, ainsi que le diagramme en bande, c'est à vous de voir. Je compte qui attire l'attention, par exemple, là, je chauffe le graphe TACOM. Alors, le nominal, l'ordinal, j'ai demandé à 130 personnes l'addiction TACOM au chocolat. Achala Galouli, on s'en fout du chocolat. 25 Galouli, je suis à un peu. 40 beaucoup. 32 passionnément, et 23, je prends du chocolat à la folie. Et là, il manque la deuxième case, les fréquences. Mais je peux travailler avec les effectifs. C'est pas faux si je travaille avec les effectifs. La barre TI, Allah a 40. Mais si je rajoute qui m'a le tableau de droite, les fréquences TI, je divise, par exemple, pas du tout, 10 divisé par 130. Il y a pas la fréquence TA. Et la fréquence TA, que je multiplie par 360, il y a tenu un nombre de 0, un chiffre qui correspond, par exemple, à pas du tout. Ou là, j'utilise les barres. La barre, on a l'effectif TI ou là, la fréquence TI. Est-ce que c'est clair? Oui, docteur. Très bien. S'il y a des questions, je répondrai à la fin du cours. Il n'y a pas de problème. La même chose. Par rapport à la base des barres. Non? Par rapport à la base des barres. Wow. Comment la calculer? La base TX? Oui, c'est le bar. Là, mais allez, c'est pas important. Le plus important, c'est que je fasse pas l'air. On va voir où la base est très importante. On va la voir après. D'accord. D'accord? Alors, si je prends 50 personnes, un des 15 de sexe masculin et 35 de sexe féminin, alors, comme c'est un caractère, quel type de caractère? Nominal. Qualitatif, nominal. Nominal. Qualitatif, nominal. Donc, j'utilise deux types de graphes, circulaire ou là, en bande. La bande courne, arrête, parce qu'on va voir un autre graphe après. Donc, on parle là, la bande série, selon le caractère, selon l'effectif série ou là, selon la fréquence série, kiff. Je peux utiliser les effectifs quand je peux utiliser les fréquences. Généralement, on utilise les fréquences. L'effectif qui construit, d'accord. Mais on utilise les fréquences, mais c'est pas faux si vous utilisez les effectifs. Le tableau doit répondre, Choponaire, répartition de ces 50 étudiants, Shkoun, qui, selon le sexe, à la faculté de médecine de Sidi Bel-Abbès, donc où et quand en 2018. Et j'ai mis graphe numéro 1. Donc, le graphe, il est interprétable. Est-ce que c'est clair? Oui. Je réponds. Non? Oui, docteur, c'est clair. D'accord. Donc, le caractère qualitatif, nominal et ordinal, le même tableau, l'effectif TI et la fréquence TI et deux types de diagrammes circulaires et en bande. J'utilise celui qui m'intéresse, récursif. Alors, je passe maintenant au caractère quantitatif. Le caractère quantitatif, vous n'avez qu'un zouge, lesquels? Discret, continu. Discret, continu. Radim double discret. Discret, ça veut dire il se casse pas, continuité. Alors, j'ai pris le tableau. Les données sont placées, la première colonne, elle renseigne sur les différentes valeurs du caractère
Et les trois suivantes, à droite, hein, عندي le nombre d'enfants تاعي, عندي l'effectif تاعي, عندي la fréquence relative تاعي. هنا c'est des femmes ou là qui ont un certain nombre d'enfants. Donc si je prends combien de personnes عندهم 0 enfants, عندي 7. Donc 0 enfants, 0 c'est le nombre des effectifs. عندي 7 عندهم 0, عندي 4 عندهم 1. Le total تاعي c'est 18. Je calcule ma fréquence relative, 6 sur 18, 4 sur 18, 2 sur 18. Donc, on dit les fréquences relatives séries. Donc, le tableau, c'est le tableau ressemble au tableau qualitatif. On dit l'effectif et la fréquence. C'est clair? Oui. D'accord. Ça change un peu quand même. Donc, nous, les graphes. Les graphes, c'est le quantitatif discret. Alors, quantitatif discret, c'est un diagramme en bâton. La base TA, c'est un bâton. Quand tu connais arabe, c'est moi un diagramme en bande, c'est qualitatif. Là, on parle à l'échelle l'effectif TI ou à l'échelle la fréquence TI. On va redoucher le diagramme en bâtonné. D'accord? Si je prends le fichna par exemple ou l'alfoura, l'effectif TI est là, bon, je ne sais pas quelle fréquence, zaouj, un des nombres de produits, un des l'effectif, un des la fréquence relative TI. J'ai utilisé un diagramme en bâton avec les fréquences relatives. Donc j'ai utilisé les X TI qui est de 0 jusqu'à 5. Et dans là les bandes TI, elle accepte la fréquence relative TI. Est-ce que c'est clair? Madame, je n'ai pas compris. Non? Madame, coupette. Ah, oui, donc on explique en fait, mais je suis en retard. Je n'ai pas. Dès le début, tu as le quantitatif. Non, reste tableau. Non, il y a la slide, Hedy. Oui. Ça. Le quantitatif. Discret. Comme tu vois, qu'un discret, ça veut dire discontinu. J'utilise c'est un diagramme en bâton. Rigide. La base TA, mais chez Arida. Il y a selon la fréquence relative TA. Chauffons le tableau TA. Quand tu vois, j'ai utilisé un tableau à l'exemple des effectifs. J'ai pas calculé la fréquence relative. Il est juste. Le TA, j'ai utilisé la fréquence relative. Andy, donc, le nombre de produits TA. C'est ça, un des 0 produits, un produit, c'est 5 produits. Un des la fréquence relative TI en ordonnée. Donc, on parle le bâton TI, elle estable la fréquence TI. Il est là, rigide, mais il est là, arrête. C'est un diagramme en bas, c'est le qualitatif. Fait le quantitatif discontinu, rire. C'est bon? Madame, j'ai pas compris la base. معليش كي نروح لك لتحت دوك تفهمي كي ندير انا نطخ باراغراف غادي تفهمي غير عقلي بلي لو ديغرام كاليتاتيف تطلعيه لو ريكتانغل لي لارج تطلعيه اي لو ديغرام اون سي كلير لاخر بوند سي اون بوند مستطيله هنا سي ان ديغرام اون باتون باسكو عندي 0 1 enfant 2 enfants 3 enfants ما عنديش دو ليسباس دوك تشوفي وين غادي تفهمي لا باز هنايا في هنايا دونك رحت للكاراكتير كونتيتاتيف كونتينو في الكونتينو سا فو دير كو عندي لا فيغول ولا عندي ليسباس عندي بليزيوغ فاريابل باغ اكزومبل نو عندي فاريابل افيك بليزيوغ موداليتي هادوك خصني نديرهم سو فورم دو كلاس ولا دو جروب Alors, par exemple, عندي 100 valeurs, عندي 100 valeurs, هادوك 100 valeurs, ما غاديش نجم un tableau ou là un monde sous forme de groupe ou là sous forme de classe. Alors, on voit de 5 classes qu'elle veut un joli graphe qui consulte ce bas. Chauffe donc un effet pas que manich d'ara. Goulou, les quand c'est bon. Oui, on vous entend, docteur, maintenant. Ah. Goulou, comme, supposons un des 100 valeurs. Et donc, 100 valeurs, je peux pas mettre, un tableau ou là, un graphe avec 100 valeurs. L'aimum sous forme de groupe ou là, de classe. Un joli tableau, mais je suis content,
بزاف لي لين ان جولي غراف مي خصهاش يكون بزاف بزاف تاع لي باطون تاع لي ريكتانغ دونك نيمهم سو فورم دو كلاس لو نومبر دو كلاس سا فاري انتر 5 اي 20 موان دو 5 سي با جولي بلوس دو 20 c'est pas joli non plus. Mais 20, c'est déjà beaucoup. Imaginez un graphe qui est 20 rectangles. Mais trash. Donc, généralement, on dirait 7, 8, maximum, maximum 10. Mais si vous allez acheter 20, c'est pas faux. Qui fait les mots? Qui fait les mots, les valeurs sous forme de classe? On doit déterminer l'amplitude et l'étendue. Qui fait? Alors, kifesh, Andy, par exemple, si j'ai pris 60 travailleurs dans une société, j'ai calculé la prime tahom. Donc, est-ce que je peux utiliser un graphistine, mettre crash? Est-ce que je peux utiliser un tableau graphistine, mettre crash? Qu'est-ce que je fais? Je trace mon tableau, win-head les valeurs, cette forme, par ordre chronologique, du plus petit au plus grand. Donc, à gauche, c'est un tableau fait des chiffres m'khaltin. À droite, c'est le tome. La plus petite valeur TAI, c'est 149 personnes qui ont une prime de 1000 dinars. La plus grande valeur TAI, c'est 170, là, j'ai 159 personnes. Les valeurs TAI varient de 159 1000 dinars. 178, la plus petite à la plus grande. etc., etc. Donc, j'ai pris de la plus petite à la plus grande. Blahmar, j'ai calculé l'étendue. L'étendue, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. La valeur maximale TAI, c'est 178. Moins la valeur minimale TAI, 159. T'as tenu l'étendue. L'étendue, c'est l'espace entre la valeur kbira TAI moins la valeur kbira TAI. En fait, je divise par le nombre de classes. Le nombre de classes, à quoi vous êtes là? Oui, on est là. Très bien. Oui, docteur. Je divise par le nombre de classes. Le nombre de classes, un harrafé. Un âge, je décide. Le nombre de classes, par exemple, j'ai décidé, c'est ça. Je divise par 6, il y a atteint l'amplitude. L'amplitude, c'est l'intérieur, c'est l'intervalle. Il y a 159, 165, normalement 6. Et il y a la base, c'est le rectangle. Là, on a besoin de la base. Est-ce que vous Oui. Hein? Non, je n'ai pas compris. Je vais vous donner les valeurs. Je vais vous donner les graphes, je vais vous donner les tableaux qui sont 6. 7 fois par ordre chronologique, de la plus petite valeur à la plus grande valeur. Je vais vous donner l'étendue. L'étendue, je vais vous donner la valeur qui est plus la valeur qui est plus grande. Je vais vous donner l'étendue. En bas, je calcule l'amplitude. L'amplitude, c'est la base du rectangle. C'est l'intervalle entre 159 et 165. Un année, l'intervalle 5 à 7. Je décide du nombre de classes. J'ai décidé de dire un graphe de 6 classes. Je divise l'étendue TI à la 6 classes à atteindre un intervalle de 6. En 159 et 165, on dit 6. 165 et 168, on dit 6. Là, on dit 3, on a quelque chose. Il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur de calcul. 3, normalement 3, c'est un intervalle de 3. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Il y a une petite erreur. C'est un intervalle de 3. Docteur, j'ai pas compris. Donc, docteur, l'amplitude de chaque classe, c'est ça? C'est la même amplitude. Il y a une petite erreur de calcul. Non, mais c'est la même amplitude. Voilà. هنا صوتوا لي دو كلاس نورمالمون كاين قبل فهمتيني صوتوا كاين لي كلاس كاين هي سيت ان انترفال دو 3
سمعوني يا ان انترفال دو 3 تما فوق 159 كاين نوتر كلاس 153 156 فهمتوني مي كلاس فيها انترفال تاع دي برك لا لا ني غلطاني غلطه لا 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 غير انا غلطه ديروا في راسكم بلي سي ان انترفال دو 3 سي كوم سي 159 162 plus 3, 165, 165, 165, 0, 3, 3, 3, c'est une erreur de calcul, hein? D'accord? Est-ce que vous comprenez le principe, Le dernier classe. Voilà, même chose. Le nombre de classes. Ou le nombre de... Nombre de classes. Ou le même... C'est le nombre de les intervalles, les tableaux. Là, c'est la même chose. Classe ou l'intervalle. C'est qu'on a décidé. On a décidé. Par exemple, si je décide qu'on a 17 classes, je divise l'étendue TI. Donc, 178 moins 159 divisé par 7 classes. Il y a peine, par exemple, 2,5. Radis les intervalles TI. Gagne, confirme 2,5, 2,5, 2,5. Est-ce que c'est clair? Non, docteur, je n'ai rien compris. شوفي عندك ان سيري فوقا درتوها في ماتيماتيك هذه سي ماتيماتيك ماشي ميم با ستاتيستيك عندك ان سيري فيها 60 شيف هذوك 60 شيف تسد فيهم دي بلو بوتي او بلو كرون هنا فهمتيها؟ وي فهمتها نكالكولي لي طوندو لي طوندو نفد لا بلو كرون مع لا بلو بوتي فهمتيها؟ فهمتيها؟ وي فهمتها فهمتيها انا ني باغي الغراف تاعي يكونوا فيه 6 كلاس جو ديفيز لي طوندو تاعي سور لي 6 كلاس يعطيني 3 سا فو دير لي انترفال تاعي يكون فيهم كاع 3 3 3 هنايا سي جو دو كوريجي مون ايرور سي 153 نبدا من الصغيره تاعي سي 159 بلس 3 سي 159 plus 3, Gini 162 plus 3, 165, 165 plus 3, 168, 168 plus 3, et ainsi de suite. Vento, est-ce que Vento? Oui, d'accord. Les mêmes, ما ينعدليش الفوق ينعدلي التحت باسكو التحت مبلع نجم ندير حاجه ندير 159 160 161 162 مبلع الانترفال تاعي والتحت ندير 163 نبدا من 163 باسكو 159 تنعدلي خطره تنعدلي يا الفوق يا التحت كوم الانترفال تاعي راه محلول الفوق ما نعدهاش نعدها التحت اسكو سي كلير درت لها في الرياضيات تيرمينال سي كلير Ah, un autre exemple. Après que comme là, je ne sais pas, mais je chauffe le fougas, donc elle a 80 chiffres. Qui dit l'homme là, ya? Qui dit l'homme? On est classe. Les classes, on part série. Premièrement, l'ordre chronologique, du plus petit au plus grand. Deuxièmement, j'aime dire. Calcule l'étendue. L'étendue. Comment je calcule l'étendue? Le maximum. Hein? Là, voilà. Le petit est 97. Le petit est 53. L'étendue, j'ai tenu 44. Un an, j'ai décidé de 10 classes. 10 classes. Qu'est-ce que je veux dire pour avoir l'amplitude de l'étendue sur. Très bien. Et si j'ai décidé. Très bien. L'amplitude TI, j'ai tenu 4. L'amplitude TI, j'ai tenu frère. Et là, je veux une étendue de 5 ou l'aide de 6. Je dire, j'interviens sur quoi? Le nombre de classes. Nombre de classes. Si on parle de nombre de classes, si on parle de nombre de classes, le nombre de classes, un an, je décide fait. D'accord? D'accord? Alors, n'ayant l'amplitude TI, c'est 4. Donc, 97. 98, 99, 100 TI, fouk, ou ça dépend, l'intervalle, il est derrière l'intervalle, c'est clair, le fouk, le mat terminal. Oui, madame. Très bien. L'amplitude, elle est en virgule. Comment faire?
كيف ديري لونبليتود تاعك بلا فيرغول لا درتي 3.50 سي 3.50 لا درتي 2.25 سي 2.5 بارتو معليش ها عندي واحد ها ولا نسحتها عندي واحد بلا فيرغول هذا راكم تشوفوا الطابلو فوالا هذا سي لو ديبي تاع الماء par minute ولا par seconde مانيش نشوف البروغرام Donc, par exemple, de Comblachmar, un des 0,08, ça veut dire que c'est une variable quantitative continue. Un des bzeft à les valeurs, chendir. Awelen, je les ordonne du plus petit au plus grand. Je calcule mon étendue, kibira, naqistrera. Là, j'ai décidé 2, 4, 6, j'ai décidé d'avoir 6 classes théorie. Je divise l'étendue sur 6 classes. Atteint l'intervalle TI, 0,25 moins 0,08, toujours le même intervalle à l'intérieur de chaque classe. Quel est des cas où l'intervalle n'est pas le même, ça nous a dit M. Tercom, d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, on a la base du rectangle, on a l'étendue, chacun de qui كي ما هنايا باني غلطه مي 3 سنتيمتر ولا 3 كيلو لا باس تاعي سي 3 كيلو 3 كيلو 3 كيلو لتحتها داكو وي مونتي سي تو دو هي لا باس تاع الريكتانغ داكو maintenant pour le caractère quantitatif continu كيفاش ندير لو غراف تاعها Alors, on dit deux possibilités. Zéro, je sais pas important. L'eau, l'année basse, tient un histogramme ou là, un polygone de fréquence. L'histogramme, c'est quoi? Les rectangles serrés, la trine. La trine, parce qu'il est continu. Mais cache espace. Il y a toujours une virgule et un intervalle. Donc, la basse serrée, c'est l'amplitude de la classe. Les rectangles serrés. Donc, c'est un histogramme. C'est un ensemble de rectangles contigus. La trine. Pour chaque classe, on trace un rectangle de base B proportionnel à l'amplitude de la classe TI. La hauteur, elle est proportionnelle à la fréquence de la classe TI. Et l'air, la surface qui est à l'intérieur, il y a le polygone des fréquences. Quand tu fais ça, j'ai pris khat, j'ai commencé à partir de zéro, on le sac les milieux, les sommets, les rectangles TI. Gagne les milieux, les sommets, les rectangles TI. On va نمسح les rectangles تاعي هذيك la surface تحت الخط الاحمر c'est la polygone de fréquence تحتاني c'est pas important je vous le fais gagner donc la variable quantitative continue c'est un histogramme c'est des rectangles qui ont la même base parce que ça a la même amplitude ou les trines les uns contre les autres parce que c'est continu ou ils sont à l'état de la fréquence est-ce que c'est clair oui docteur Si je répète, la valeur qualitative nominale ou la ordinale, c'est quel type de graphe? En secteur. En bande? En bande ou en secteur? La variable. Voilà. La variable quantitative discontinue, c'est en? Bâton. Bâton, la bâton est très bien. La variable quantitative continue? Histogramme. Très bien. Histogramme polygone de fréquence. D'accord, polygone معليش نسيت ما قلعتش normalement ماشي تاعكم فوالا très bien voilà c'est هذا هو البوليغون الاولاني سي مي بوند ومن بعد جو تخاص من الزيرو جو تخاص لو ميليو دي سومي تاع لي ريكتانغل تاعي نقلع لي ريكتانغل تاعي يبقى لي لا سيرفاس هذيك لا سيرفاس تحت الخط الاحمر هو لو غراف تاعي هذه ماشي ليكم انا نقلعها Alors, je reviens à l'exemple de Gbila, la rivière. Donc, on a un tableau, j'ai calculé l'étendue TI, j'ai divisé par le nombre de classes TI, atteint l'amplitude TI, je trouve ce tableau, les rectangles ont la même base, parce que l'amplitude TI est la même, je ne sais pas combien, entre 0,08 et 0,24, c'est la même base pour tous les rectangles, où on t'en l'air la fréquence TI. Est-ce que c'est clair? Tout est clair. Très bien. C'est à peu près de quelqu'un de bizarre. Il faut gasser un salaire ou là, c'est les travailleurs de son El Gaz. C'est
6000 7000 8000 9000 هنا شحال شوفوا الانترفال تاعي الانترفال لونبليتود تاعي سي 1000 دينار دونك لا باس تاعي تكون كاع عندهم 1000 دينار 1000 دينار لا الفوغا لا فريكونس طلعوا على حساب لا فريكونس دو شاك كلاس سي كلير وهذا نعيطوا له ان هيستوغرام داكور اي با دي سباس انت لي ريكتانغ دونك بو ريزومي عندنا لو كاركتير C'était des valeurs continues. Pourquoi on a utilisé l'histogramme discontinu. Oui, discontinu. Le salaire, c'est 6000, 7000. Continue, parce que drame, 6000, 7000. Par exemple, elle a accès 6950, on a rendu 7000. Drame, c'est continu. Mais 5000 dinars. Avec la personne, elle touche. 6900, on a arrondi à 7000. Allez, je trouve l'exercice. Il y a un intervalle. Donc, s'il y a un intervalle, c'est continu. S'il y a un continu, c'est les rectangles qu'on nous laisse. Donc, c'est un histogramme. Oui, donc. Il y a un des 10 personnes qui touchent entre 6000 et 7000. Belek 6300, belek 6500. بالك 6900 حتى 7000 سنة تغبال سي كوم سي ان فيرغول وي دكتور اي دونك اون ريزومي فالور كاركتير ديسكري سي دي باتوني كاركتير كونتينو سي ان هيستوغرام سي كلير وي دكتور اون ريزومي دو ريزومي Les variables qualitatives, nominales et ordinales, adna, les bâtonnets, le diagramme nominal en bas, ou là, en secteur, fizouj, même l'ordinal, on peut utiliser secteur, mais malich, l'ordinal, on peut utiliser en bas, mais c'est pas pour les deux sont en secteur. Pour les variables quantitatives, discrètes, c'est des bâtonnets, ou là, en bâton, et continu, c'est un histogramme. C'est bon? Oui. Taha. Des exercices maintenant. Parmi les variables suivantes, donnez le type de la variable et l'échelle de classification. L'échelle de classification, c'est quantitative continue, quantitative discontinue, nominal ordinal, nominal qualitatif nominal, qualitatif ordinal. Si je vous dis, je vais vous dire le fourre parce que la variable statistique, Chani Kalbelfourg. La variable statistique, couleur de maison d'un quartier est-elle? Alors, la couleur des maisons de quartier. La variable, c'est quoi? Qualitative. Mesure de l'échelle, comment on appelle ça? L'échelle de classification, c'est quoi? Nominal. Qualitatif nominal, niche. Qualitatif. Niche, nominal. Variable statistique, le revenu brut, le revenu, le salaire. Quantité quantitative continue. Continue, parce que je me suis tracé 550, 552. D'accord. Est-ce que comme gagne chien ou la résoudre la caméra comme tu veux rien? Oui, madame. Oui, docteur. Ah. La variable, le nombre de maisons vendues. C'est qualitative. Quantitative, discrète. Discrète, c'est la discontinuité. Très bien. Discontinuité, des maisons, etc. Ça, et la qualitative, déjà quantitative continue, déjà quantitative discrète. Alors, là, c'est juste des définitions. On appelle une variable, une caractéristique qu'on peut étudier. Oui. Oui. La tâche de la statistique descriptive est de recueillir des données. Juste. Non. La table fouga, à qui tu as mis statistiques, si je mets des données, tu les mets en de combat. Comme je dis, sous forme de graphes ou sous forme de tableau, elles ne savent rien. Donc, c'est recueillir les données, les étudier, les analyser et les mettre en valeur sous forme de graphes ou sous forme de tableau, les remettre aux personnes qui les ont besoin. D'accord? نحسبوا شحال ميك تخي ديسونس ولا شحال خرجنا ولا شحال فيش فاميليال داكور درتها لكم وي درتها لكم فوق تخي بيان لا طاش دو لا ستاتيستيك ديسكريتيف اي دو بريزونتي لي دوني سو فورم دو تابلو غراف اي دانديكاتور ستاتيستيك
Voilà. Les indicateurs de tour, on m'en a ici. C'est bon. En statistique, on classe la variable selon différents types. Oui. Voilà, quantitatif, qualitatif. Voilà. Les valeurs des variables sont aussi appelées modalités. Oui. Voilà. Oui. Pour une variable qualitative, chaque individu statistique ne peut avoir qu'une seule modalité. Oui. Oui, la personne ne peut avoir un seul sexe. Si elle est féminine, elle est masculine. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Oui. La couleur des yeux, il y a marron, il y a bleu. On ne peut pas avoir les deux couleurs à la fois. Voilà. La variable quantitative, le poids automobile, peut être reclassée en compact, intermédiaire et grosse. Ça veut dire, quand on dit quantitative, ou dit qualitative, ordinal. Donc, je peux modifier mes valeurs quand on dit quantitative, ou dit qualitative, ordinal. C'est clair? Oui, très bien. Oui. Très bien. Alors, le nombre dans une famille, a donné la variable et l'échelle Taha. C'est quantitative discrète. Très bien. Discontinue. Kif. Là, il vaut mieux en statistique utiliser le mot discrète. Discontinue, mais chiffre. Mais on parle de continue et discrète, d'accord? Oui. Taha. La couleur des cheveux, Qualitative nominale. Qualitative nominale. Michel. La glycémie. Quantitative. Très bien, 2 grammes 50, etc. La notion de tabagisme, qualitatif ou la métrique? Qualitatif nominal. Alors, il y a juste, mais qu'il y a nominal. Je suis ordinal. Il y a qui met le sexe, masculin ou le féminin? Ce n'est pas ordinal. Je me dis non tabagique. Ce n'est pas important l'ordre. Oui. Voilà. Il y a un mot qui revient. Nous avons le qualitatif nominal ou le binaire. C'est qu'il est oui, non. Binaire ou la dichotomique. Il y a des déterminés qui sont ou la dichotomique. Dichotomique, binaire ou la dichotomique. Qui est le contraire? Malade, non malade. Oui, non. Masculin, féminin. Marche, l'interrupteur marche, arrêt. On, off. Qui connaît des choses en comme oui non, il y a qualitatif nominal est juste, mais elle est binaire, c'est ma chose ou l'extra. C'est clair? Oui, c'est clair. Très oui. Bien. La taille d'un individu. Ça est quantitatif continu. Très bien. Non, un médecin de l'hôpital s'intéresse à la satisfaction des malades hospitalisés dans son service. Il propose de demander à chaque sujet hospitalisé dans son service d'indiquer sa satisfaction en cochant l'un des choix suivants. Belak mshikarin, hado les émoticônes, il goula, cochez-les à l'ouhda fihom. La variable, il s'agit de quelle variable et l'échelle taha? Qualitatif ordonné. Qualitatif ordonné. Ordinal, c'est ordonné. Ordinal, il y a un ordre. Ordonné. Ordonné, sigma. Ordinal, c'est un ordre. L'ordre. Nishan, donc c'est une cas parce que je suis pas satisfait le well. Je suis satisfait, je suis bien satisfait, je suis très satisfait. Donc c'est qualitatif ordonné. Ordinal, hein, c'est ordonné. D'accord? Ordinal. Alors, le nombre de colonies bactériennes dans un milieu de culture, un laboratoire, un milieu de culture sur les boîtes de pétri, un dit des colonies, les bactéries, c'est quoi? Quantitatif discret. Voilà, discontinue discrète. La réussite à l'examen. Quantitatif nominal. Qu'est-ce? Qualitatif nominal. Ou là? Binaire ou la dichotomique? Parce que réussi, échoué. Donc, soit qualitatif nominal, soit binaire, soit dichotomique. C'est la même chose. C'est bon? La hauteur d'un arbre, ou là, petit, moyen, grand, ou le poids, très léger, moyen, etc. Hein? Qualitatif ordinaire.
ordinal. Qualitatif ordinal. Ouais, on est rentré là, hein. Je suis quantitatif, qualitatif ordinal, hein. Voilà. Alors, exercice. Pour chaque variable toujours, vous me donnez son caractère et son, la variable et son toujours. La citoyenneté. واحد quelqu'un يفتقد sa citoyenneté. Être un Algérien, qualitative nominal ou la dichotomie ثاني oui oui ou non. Ça. La distance. C'est une quantité qui est continue. Quantitatif. Continue. Quantitatif continue. Ça. Hna, hna, on a un tableau. C'est quel type de graphe on dit hna? Il y a des histogrammes. Très bien. La taille. C'est même chose. Quantitatif continue. Lieu de résidence, Alger, Oran, etc. Qualitatif ordinal. Non, c'est nominal. Nominal. L'âge. L'âge, quantitatif, discrète. C'est quali, continue. Ah, ouais, discrète, continue, je confirme. Discrète. Continue. Continue, les mois, les jours, les heures. Ah, c'est continue, continue. C'est continu. Mm. La couleur des yeux de Nara, nombre de langues parlées. C'est la qualité nominale. Quantité. Non, mais ça dépend. Quantité de nombre. Quantité discontinue. Je connais deux langues, trois langues, quatre langues, etc. C'est bloqué, Caro. Voilà. عندي هذا التابلو sur j'ai pris 40 personnes درتهم لي جروب سانغان تاعهم A خرجوا لي جروب A 20 B 10 AB X O 5 déterminer la valeur statistique de et son type. Bon هنايا c'est facile باش نقول la détail pour trouver AB et donner les représentations possibles de cette distribution. Alors la variable c'est quoi? Groupe sanguin. Waouh, elle est belle, mais c'est quoi? C'est une qualitative nominale. Oui. Qualitative représentée par secteur ou par bande? Très bien, avec le N, c'est 40 moins 20 plus 10 plus 5, ça fait 5. D'accord? Très bien. Donc, c'est une variable qualitative nominale. Elle n'est pas ordinale. Je me dis le B, on va dire le A, B, on va dire le O, c'est pas important. Oui. Les représentations TI, qualitative nominale, soit en secteur, soit en bande. Voilà. C'est clair? Oui. Ah. Maintenant, on a un gérant d'un magasin qui vend des articles de consommation courante, je sais pas, ce corps-là, a relevé pour un article particulier qui semble connaître une très forte popularité, Michel Zeb, le nombre d'articles, non, Belekhwej, articles vendus par jour, sont relevés à porter sur les ventes du mois de mars et avril, ce qui correspond à 52 jours de vente. Le relevé et des observations sont comme les suivent. C'est quoi le type de variable NR? Quantitatif discrète. Wow. C'est quoi comme variable on va dire les articles vendus. Très bien. Nombre d'articles vendus par jour. Très bien. Lequel dire un tableau? Qui va dire? Dire les classes en gros. Les classes. Du petit vers. Quelle variable on a n'importe quoi? Non, les articles vendus et les jours. Quantitatif discontinu. Non, n'est pas. Ah, c'est l'histogramme. Non. Là, c'est pas l'histogramme, c'est le. En bande. En bâton. Là, mais je cherche le graphe. Le tableau qui a des dirons. En intervalle. Une classe en bas d'un dirou, les intervalles, les séries. Elle est à chaque fois quantitative et discontinue. À chaque fois discontinue, elle est à dérouler des intervalles. Un dérouge intervalle, madame. Discontinue. Le dérouge. Ah, voilà. Tu veux les X, 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 les X
وتلفزوش اللي ان شحال شحال عندهم من 15 شحال من عندهم من 6 ان هادو كاع شحال اختيك اللي تباعوا 5 اللي تباعوا 6 هما لا لي ان اي تاعكم لي اكس اي تاعكم و ديفيزي لو ان اي تاعكم سي لو غران ان لو غران ان تاعكم هنا سي ديسكريم علاش ديروا لي لي انترفال وي وي فهمتوا ايوا هو لو دياغرام اون باتون باتوني هاي على هذا الشيء هو فوق لكيستيون على لو تيب دو فاريابل من لو تيب دو فاريابل تعرفي اش ديري في الطابلو تعرفي اش ديري في الغراف داكور اكزرسيس 5 pour les sujets d'études qui suivent spécifiquement صح على فاريابل la modalité alors هنايا l'étude du temps de validité des lampes électriques lampe اللي نديروها le temps de vie تاعها c'est quoi comme variable quantitative continue كونتينيو تنجم تقعد 5 اشهر عام و 5 شهر و كذا alors هنا شويه l'étude de l'absentéisme des ouvriers en jour dans une usine quantitative discontinue alors il est en jour c'est discontinu là ما كاش en jour tous les continue parce que c'est un temps il est en jour tous les moins 5 ans إلا ما تينا باسيتيزي ان جور بالك منك 5 ايام و دومي جورني فيها 4 سوايع و 50 دقيقه سيتيرا داكو خاطش لو طون ان لوي ميم سي اون فاريابل كوانتيتاتيف كونتينيو مي كونط ان بريسيز هنايا جور باسكو سي 24 اور هنا تولي ديسكونتينيو داكو دكتور قدر هو يفا ساتفونتي اون جورني اي دمي وا هنا تولي ديسكونتينيو انا بريسيزيلك اون جور فوالا انا سي جي بريسيزي اون جور تما 24 اور داكور لا هنا غير باش تعرفوا لا ديفيرونس مي اون جينيرال هادي غير باش تعرفوا سينو اون جينيرال لو طون ديسكونتينيو كونتينيو ماشي ديسكونتينيو كونتينيو تري بيان بغيت نقول لكم دي فوا دي بياج اللي طردها من الكونتينيو طردها ديسكونتينيو ولا لانفيرس داكور Alors, répartition des études. Oui. Vous m'avez entendu? Oui. Répartition des étudiants d'une promotion selon la mention obtenue au bac. Quantitatif continu. C'est nominal, c'est. شوفي سا ديبون انا تاني كنقول لك لي نومبر زعما لي نومبر الى بدينا لي مونسيون هنا مدام قلنا سيلون لا مونسيون دونك سي كونتيتاتيف نورمالمون كاليتاتيف كان فيها لو نومبر تولي كونتيتاتيف لا كان مونسيون صح تري بيان ولا تولي اوردينار كاليتاتيف très bien il a goûté comme zama da mention ou la madesh mention راهي في binaire ou la dichotomique ou la nominal il a goûté je cite les différentes mentions ou les ordinales d'accord oui ordinal how il mention très bien bien assez bien bien très bien excellent bien هنا عندي le poids de naissance dans une maternité ma chi ben di fouk هكا C'est le poids de naissance des enfants dans une maternité. Yes. Ken oui. Andy, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ken Andy, 24 fois. Donc, c'est, comme c'est le poids, c'est quel type de variable? Quantitative, continue. Continue. Comment je dois, voilà. Voilà. Qui fait le chèque de tableau? Qui fait le chèque de tableau? J'ai ordonné la classe. مازال لا كلاس مازال بعيدة الأولى كلاسيناهم في الديبي كاع فوالا أوردوني و ومن بعد لي طوندي هنايا عطوني كومون جي كالكولي لي طوندي هنايا فالور ماكس سي 4000 تخي بيان ومن بعد سي ماكسيمال موان مينيمال 2400 moins 2200. Moins 2200. Moins 2200. Très bien. C'est l'étendue. Umbert? L'étendue sur le nombre de classes.
Là, j'ai décidé de prendre 12 classes, donc c'est l'étendue divisée par 12. Chaque année, l'amplitude 200 grammes. Qu'est-ce qu'il y a 200 grammes. Mais il y a la base. Voilà, la base. Ben, nous sommes entre 2200 et 2400, 5 bébés, et ainsi de suite. C'est quel type de graphe que je peux utiliser, non? Histogramme. Voilà. Chauffe les rectangles sont contigus, les screens, il n'y a pas d'espace, c'est la même base pour chaque rectangle, où il y a l'effectif ou la fréquence. Ou chauffe le titre pour voir, le poids de naissance de 246 enfants nés à terme dans une maternité. Est-ce que head tableau, head graphe, me font? Oui. Madame Rihna, il a dit que l'amplitude ou la base, je vais y aller. Oui. Oui, ça va. Madame Rihna, il a dit que l'amplitude ou la base. Je parle au téléphone. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. L'amplitude et la base, s'il vous plaît. Rihna, la base, oui. Si tu oublies la base, c'est la même pour tous les rectangles. Michel. Oui. C'est 200 grammes. Mais j'ai tenu 200 grammes. 200 grammes, j'ai pris, plusieurs valeurs. J'ai pris la valeur maximale 4600 moins 2200. La valeur maximale moins la valeur minimale, c'est l'étendue TI. J'ai décidé un tableau et un graphe avec 12 classes. L'étendue TI divisée par 12 a donné l'amplitude de 200 mg. Il y a 200 mg. Il y a la base TI sur les rectangles. C'est la même partout. Ah, d'accord. Oui. J'ai compris. Ah, et en bas, le rectangle est plein de fou, soit à l'estable effectif, soit à l'estable la fréquence TI. Le choix c'est à l'effectif ou la fréquence, comment ils mettent hena? Non, si tu divises. Tu as que hena nqulu عندك je sais pas شحال خصني حاجه هنا قاري. اولا l'effectif تاعي c'est 246. Yes, l'oulani اللي عندهم entre 2,400 et 2,200 et 2,400, c'est 5 divisé par 246, c'est avec la fréquence تاعك. C'est petit n divisé par grand n. Petit n divisé par grand n. C'est bon? Quand je vais, je vais vous rajouter la colonne à les fréquences. D'accord? Tanis, je vais traduire les effectifs, hein? Je vais traduire les effectifs. Après, 5, 9, 15, 21, mais c'est plus joli quand tu travailles avec les fréquences. D'accord? Oui, d'accord. Merci. Je comprends. Merci, madame. Ah, si je prends Chani Katbelfour, mais ben liche, là, qu'annuler. C'est le titre de le tableau. Que charte? Ça, le numéro. Hein? Ça, le numéro. Le lieu et le temps. Très bien. C'est un kinkara. Winder. C'est blabla. C'est waran. C'est français. Winder. Quand? Donc, c'est un mitrash. Je fais exprès de vous montrer ça, mais je retire les anomalies. C'est vrai, le tata, les abscisses amdélines, le point kilogramme, flordonnée amdéline effectif, c'est bon, le graphe est bien fait, mais le titre a des insuffisances. D'accord? Docteur, hataron déril dans une maternité, le lieu de la maternité. Ouais, oui, ouais, elle est qui te prenne, tu as fait Winder ou Heda? Non. Ah, oui. Voilà. J'ai dit que tu veux le faux, oui, je trouve. Distribution du nombre de personnes parmi 19 personnes. Très bien. C'est quelle variable? C'est le nombre d'épisodes. Épisode gris. C'est quel type de variable? Quantitatif. Il y a la grippe, il y a la grippe. Le grand NTI. Grand NTI 19. L'imédérouche la grippe, 3 personnes, l'idérou un épisode 7, je calcule ma fréquence, la fréquence TI, l'idérou 0 épisode de grippe, c'est 3 divisé par 19, c'est 15.
pour les dérou un seul épisode, c'est 7 divisé par 19, ça fait 36,8. C'est un diagramme en battant parce que c'est discontinu. Et on t'a là les barres, tu vois. Ou le tahta, on حط les nombre d'épisodes تاعي. Est-ce que c'est clair? Oui, docteur. La même chose, هنا, je sais pas, faut que j'en ai quatre bas, soit la taille, ou okay, qu'elle a fait la taille de 19 étudiants. C'est la taille. Donc, c'est quel type, c'est quel type de variable? C'est quantitatif, continu. Continu. Très bien. Quel type de graphe? Histogramme. Et comment je, et la procédure, je viens de dire? J'ordonne. Deuxièmement. Placé. L'étendue ou l'amplitude. L'étendue ou l'amplitude. Là, j'ai décidé 2, 4, 6, 7 classes. Donc, l'étendue TI. L'étendue TI, c'était 84 cm ou la kilo, moins 50, donc c'est 34. Voilà, moins 50, c'est 34. 34 divisé par 7, à tenir l'amplitude, c'est 4 kilos. D'accord? Et je calcule ma fréquence TI, et la base TI, c'est à peu près 5 kilos partout, 5 kilos par kilo. Est-ce que c'est clair? Ou le graphe, je l'ai numéroté, graphe numéro 2, répartition de qui? 19 étudiants, selon leur poids, ou à la faculté de médecine Sidi Bou Abbès, quand en 2018? Le graphe, mais bon, les certains de les poids, le fouga de le nombre d'étudiants. Est-ce que c'est clair? Oui. Merci beaucoup. Très bien. On a étudié la taille. C'est le poids. J'ai étudié la taille de 20 étudiants. Voici la taille. C'est quel type de caractère? Quantitatif continu. Très bien. Le graphe. Histogramme. J'ordonne, je calcule mon étendue, je choisis le nombre de classes, je divise par le nombre de classes, j'atteins l'étendue TI. Très bien. Là, ça correspond toujours à l'exercice. Le type de variable, Naya, c'est quoi? C'est la quantitative continue. La type de, la taille, deux points, variable quantitative continue. Justifié. Pourquoi quantitative continue? L'examen, vous aurez ce genre de questions. Justifiez pourquoi vous avez dit que c'est quantitatif continu. Parce que... Elle est mesurable. Mesurable pour quantitatif. Pour continu, ma femme, qui n'est chaleur. Elle prend des chiffres en virgule. Monsieur virgule, c'est continu, voilà, il y a un intervalle, c'est continu. D'accord? Voilà la réponse. Comment peut-on exprimer cette variable? Comment vous pouvez les exprimer? Vous pouvez les exprimer sous forme de tableau. On peut les exprimer sous forme de tableau et sous forme de graphe. Organiser ces observations par ordre. Déjà, nous faisons combler la quantitative continue. Présenter le tableau et présenter le graphe. Donc, le type de variable, c'est une variable continue, quantitative continue. La justification pour le quantitative, elle est numérique. Pour le continu, il y a un intervalle. Je peux l'exprimer sous forme de tableau et de graphe. Ça est organisé sous forme par ordre. Et le graphe utilisé, c'est l'histogramme. Voilà, je les ai organisés du plus petit au plus grand. Des 139 moins 120, il y a tenu 19. 19 divisé par 2, 4, divisé par 4, il y a tenu 6, quelque chose comme ça. Je sais pas si j'ai pour chaque intervalle. Le tableau TI, j'ai oublié de vous dire, elle dit qui, où, quand, et le numéro, c'est valable pour le tableau et c'est valable pour le graphe. Kif. Par exemple, vous utilisez head tableau, dire au tableau numéro 3, répartition de la taille chez 20 enfants du 4e année primaire à l'école 2016-2019. L'histogramme TS, c'est la même chose. Tableau numéro 3, il faut que ça corresponde. Hein? D'accord? Numéro 3, la même chose. Chauffe la base, la même chose. Gas, c'est la même chose pour les bases. Les rectangles sont contigus. Voilà.
Docteur, dans l'examen, on a des calculs. Vous avez dit que vous aurez la même chose. Ah oui, ben, fait comme un tableau, mais je calcule. C'est un QCM. Donc, quand je fais les calculs, tout le monde vous crochez sur le, là où les réponses justes. Ah, ok. D'accord? Et je vous donnerai de façon à que ce soit des chiffres ronds ou là, je m'en vais utiliser la calculatrice. Maintenant, je vois. D'accord? Okay. Est-ce que c'était clair pour le type de variable? C'est clair pour le type de graphe? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Merci. C'est... Ah, oui, c'est ça. Chips, hein? C'est clair? Merci beaucoup. Oui, docteur, merci beaucoup. Et les garçons, enfin, un mot? Oui, docteur, ah. Merci beaucoup. Ah, les garçons, c'est l'ami de Gamet, je suis chambrée, non? Sarah, tu as des questions sur Gali Courtaoui, je ramène le وقت, le courte à l'verre, ben, lequel il m'a hadroche ou là? Là, il m'a hadroche, tant pis, hein? Les hadou, les mefemouche ou là, je peux répondre aux questions. C'est quoi la sensibilité? C'est la probabilité de. C'est le cas positif. C'est le vrai positif sur les totalités. C'est le positif parmi tous les malades. Ouais, c'est le test qui détecte les vrais positifs sur tous les positifs. C'est tous les malades. Sur tous les malades. Ah. Michel? Voilà. C'est quoi la spécificité? Le test qui va détecter les vrais c'est négatifs sur la totalité. Tous nos malades. Très bien. C'est quoi la VPP? C'est les vrais positifs. Sur les vrais négatifs. Sur les positifs. Gbila, tu dois la faire de test. Là, c'est être un vrai malade quand le test est positif. C'est bien bon. Être un vrai malade quand le test est positif. C'est quoi la VPN? Vrai négatif. Être un faux malade quand le test est négatif. Oui. Voilà. Un vrai non malade. Très bien. Pour mettre en place un... la validité interne d'un test. La sensibilité, la spécificité. Très bien, très bien. VPP, VPN, elles servent à quoi? L'utilité, t'as le produit dans le labo. Mais je suis produit. Je vous le test parce que le test englobe tout. Voilà. Sur le terrain. C'est pas où, sur le terrain. Très bien. Et la validité externe? La reproductibilité. Très bien. Quelles sont les conditions pour mettre en place, les trois conditions pour mettre en place un programme de dépistage? Ben, c'est un programme du cancer du sein. Qu'est-ce qu'il fallait mettre? La maladie, le test ou la population? Très bien. La maladie. Qui fait un programme de lutte contre le cancer du sein? La maladie, qui fait un programme? Elle est grave pour la santé publique. Dis donc. Ou tiens, il est une période d'incubation. C'est la phase préclinique longue. Incubation. Qui te voulait incubation, là, qui fait maladie transmissible. Maintenant, on parle en général. Maladie chronique, maladie. La phase préclinique, qui bira bzef. Zido? Détectable dans les stades, les premiers stades. Ouais, contraitable, contrôlable. Très bien. On peut faire quelque chose, sinon ça sert à rien. Et pour le test, qui fait chier, c'est quoi? Sensibilité spécifique ou le coût. Des fois, Tani, le coût. Il y a quand même, par exemple, on a deux tests. On a la même sensibilité en spécificité. On va acheter le moins cher, bien sûr. D'accord? Et la population? Acceptable, voilà. Et la population? À risque, sensible. Voilà. Qu'il accepte de faire le dépistage? Oui. Il est accessible le dépistage, accessible le traitement. Voilà, accessible au dépistage et accessible au traitement. Si on découvre, par exemple, une femme au sud, qu'on a un radiologue, service de radiologie pour faire une mammographie. Mais l'accès au suicide.
Voilà, tu vas pour faire une biopsie à côté et qu'on donne des CAC, par exemple des centres anti-cancer pour sa chimio ou la radiothérapie. Il aime ça, ça sert à rien de faire un programme de dépistage. D'accord? Oui, d'accord. C'est bon? Oui, d'accord. Et le dépistage, c'est quel type de prévention? Secondaire. La prévention primaire قبل كامل يبداو لي تيق قبل سمعتها par exemple faire de l'éducation par exemple sur la télévision ils vous laissent manger 5 fruits et légumes et il faut courir 45 minutes un jour sur deux il faut perdre du poids هادو c'est la prévention primaire avant mais sera dégâts هادي هي primaire ما كان والو la personne elle est en bonne santé est-ce que c'est clair. Oui, donc on va agir sur les facteurs. Hein? On agit sur les facteurs de risque. Waouh, avant, il faut agir sur les facteurs de risque. Deuxièmement, secondaire, la personne, elle est diabétique mais n'a aucun signe, mais elle est belle hache. Donc on va faire le dépistage. Ne le pas elle est diabétique. Elle a les signes, mais elle ne le sait pas. هنا في لو رول دو ديبيستاج دونك هنايا رانا لا بريفونسيون سيكوندير هنا اون فا فير لو ديبيستاج دونك لو ديبيستاج داخل في لا بريفونسيون سيكوندير مليح نديرو في لا بريفونسيون بريمير بصح واحد يكون اون بون سانتي علاه راح نبيكي بور ريان فهمتني باغ اكزومبل خليني من الديابيت جو برون باغ اكزومبل une jeune fille de, je sais pas, de 13 ans à 14 ans, m'a dit, je fais le primaire, pour qu'elle n'ait pas un cancer du sang, je dis la mammographie. Non! C'est secondaire, une femme, par exemple, une femme, qui a un cancer du sang, on va faire le dépistage chez sa famille. Non, 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 secondaire. D'accord? Il prend 9 tertiaires, je reviens à mon diabète. La personne a un secondaire, qu'elle les signe, c'est bon, je lui fais le test. Secondaire, mais qu'est-ce que les signes? Là, quel est-ce qu'on les voit pas? Non, ça peut être, il peut être positif comme il peut être négatif. Mais supposons que la personne, elle est diabétique, elle n'a pas de signe, je lui fais le test. Je peux le faire à une personne, il m'a un test. Mais je ne parle pas de quelqu'un qui est déjà malade. Par exemple, un diabétique, alors, en bon sens, il m'a un test. Il roule, je ne sais pas, un généraliste, je ne sais pas, un abcès fréquent ou les dents ou la haja, le général, c'est qu'il a de l'glycémie. De l'glycémie, quand il est diabétique, c'est parce qu'il est diabétique qu'il fait des abcès. Oui. Est-ce que vous entendez? Est-ce que c'est clair? Oui, docteur. Très bien. Mais, donc, le diabète... Prévention secondaire. Le but, c'est de donner un traitement pour ne pas avoir les complications. Très bien. Détecter avant, mais ça dépend du stade. Soit premier stade, ne cas négatif, c'est bon. Soit donc عنده les signes, هو il sait pas qu'il est diabétique. Je prends l'exemple d'un diabétique. Le but c'est de détecter que la personne a un diabète et de la mettre tout de suite sous traitement. Pourquoi? Pour réduire l'évolution vers les complications, pour qu'il ait une vie épanouie. Donc, à quoi ça sert le dépistage? Je n'habite l'évolution de la maladie. Malgré que non diabétique, il est diabétique à vie jusqu'à ce qu'il meure. Mais au moins, j'équilibre son diabète pour qu'il va pas compliquer rapidement ou là ne pas compliquer. Enfin, la troisième, c'est la prévention tertiaire. Là, le diabétique, il a son diabète. Je vais l'éduquer pour qu'il n'arrive pas au stade de l'amputation. Ou là, une femme qui a un cancer du sein, vite, je vais l'orienter vers un CAC pour commencer son traitement chimio, la radio, là, les deux, pour ne pas arriver à l'ablation du sein. La quaternaire, c'est quoi? C'est par exemple un diabétique. C'est bon. Faites la prévention primaire. Faites la prévention secondaire. Delha ou la medelhesh ou faites la troisième, l'amputation. Il est amputé. La quaternaire, c'est quoi? C'est, par exemple,
de le mettre sur une chaise roulante باش ما يقعدش handicapé في الفراش ou là de l'insérer un travail un handicapé qui a perdu par exemple un diabétique qui a perdu une jambe on va l'insérer je ne sais pas standardiste ou l'insertion c'est une prévention quaternaire ça démarre généralement on parle de la première de la deuxième et de la troisième. Est-ce que c'est clair? Le dépistage, c'est dans la prévention secondaire. On peut pas le faire dans la prévention tertiaire, ça, il est déjà au stade de complication. On peut le faire au stade primaire, mais il y a des tests qui, il y a des familles, par exemple, un homme de diabétique, le père ou la mère diabétique, les enfants, de temps en temps, ils ont une glycémie. Alors, stade de prévention primaire. Bon, ils veulent faire le dépistage un homme glycomate là, mais on peut pas faire la mammographie qui coûte cher, ou là, un scanner, ou là, un test qui coûte cher, ou là, qui est invasif. Est-ce que c'est clair? يعني جمع يكون في ترتيار المرض يحق الامبيتاسيون مع البنات اللي ديابيتيك مي هو لوجيكمون سيكوندير نجمو المرض صباعه باغ اكزومبل ان اختي يولي بلو كيولي بلو ما يفيقش كيروح يقولوا له يديروا غليسيمي يلقوا باسكو إلي تي ديابيتيك دوبي دي زاني ما كانش على باله يديروه غليسيمي يلقاو 3 غرام دونك لو ديبيتاج يبو سيفار ا تو مومون مي هو إلي كلاسي كوم سكوندير اون سان فو تيرتيير اون سان فو بريمير داكور واحد وي دكتور بور البريفونسيون تيرتيير سي دي سيكيل. C'est des séquelles. Soit on les traite, un des amputations, on va l'opérer, un des une cataracte, on va l'opérer, un des une rétinopathie, une déroule à laser, on traite les séquelles et on fait de la prévention. Mais je cherche la quaternaire, mais je cherche fauteuil ou la cherche d'autres complications. Oui. Docteur, s'il vous plaît, le dépistage ne peut pas être classé dans la prévention primaire parce que ça ne permet pas d'éviter la maladie. Ça ne sert à rien. Là, ça ne sert à rien. Il y a des familles, il y a des familles, donc, glycomètre, ils voient des picots faire waham. Mais ça ne sert à rien. Il va dépister quoi? C'est pour ça, sa place arrive secondaire. Mais, population sensible, déjà. C'est pour ça, il est classé secondaire. La glycémie qui est un geste non invasif, mais il y a des tests où le geste, il est un. Par exemple, si je prends un test diagnostique, je prends par exemple le cancer du rectum. Le cancer du rectum, le dépistage par l'hémocult, comme des cotons-tiges, on va analyser le laboratoire, on va trouver du sang. En microscopique. On va passer à la rectoscopie, la coloscopie. C'est invasif. On va pas s'amuser ou aider notre cerveau à faire la coloscopie. Non. Donc le dépistage, on peut le faire à tout moment de la vie, mais ça ne sert à rien. La prévention secondaire, primaire. La prévention primaire, c'est quoi? C'est l'éducation, la sensibilisation par la télévision, par les médias, par les réseaux sociaux. Il y a la prévention primaire. La prévention, les flyers, les posters, les tables rondes. Il y a la prévention primaire. Ou secondaire, c'est un examen, un test. D'accord? Un dépistage. D'accord? D'accord. L'aider les dépistages sur le primaire, c'est zéro, hein, mais pas comment. D'accord? C'est secondaire. Oui. La COVID-19, est-ce qu'elle se transmet par les gouttelettes, mais par voie aérienne? Fizouge. D'accord. Fizouge. Et la plus dangereuse, c'est aérienne. La gouttelette pêche. L'aérienne, tu vois, c'est moi. Oui. Docteur, est-ce qu'on considère les maladies héréditaires comme une maladie transmissible?
Ça dépend. Ça dépend. Vous savez que le diabète type 1, il y a de l'hérédité fait. Il y a un peu d'hérédité fait. C'est surtout le diabète 2 qui est héréditaire. Le diabète type 1. Le diabète type 1, les étiologies terres, les étiologies qui ont le virus des oreillons. Et auquel le virus, c'est un coxavirus. Donc, il y a une maladie chronique ou une partie du excusez-moi, une partie de génétique, parce que qu'il y a des gènes BR4, BR6, là, je sais pas, il y a deux gènes qui transmettent le diabète type 1. Et qu'il y a, oui, l'origine, c'est suite à un virus coxavirus. Donc, il y a les chroniques ou la transmissible. Or, normalement, non. D'accord? Et donc, on peut pas dire que juste les maladies infectieuses ou la, le domaine, plutôt la casse à transmissible. Là, on peut transmettre d'autres maladies chroniques. On peut. D'ailleurs, vous comme le mot pandémie, on l'utilisait uniquement pour les maladies transmissibles, pour les maladies infectieuses, excusez-moi. Donc, le mot pandémie, on l'utilise pas, même pour les maladies chroniques. Par exemple, le diabète, c'est une pandémie. Alors que le terme pandémie, il y a quelques années, il n'était pas juste pour les maladies chroniques. D'accord? On peut transmettre le gène du cancer du sein. On sait que le cancer du sein, il n'est pas automatique. Mais chez la mère qui a un cancer du sein, c'est fille en cancer du sein. Mais, le cancer du sein est transmissible la mère peut transmettre le gène à ses filles, d'accord? Oui, ça y est, pour le cours, t'as la maladie non transmissible, le facteur non transmissible, enfin, c'est les maladies chroniques, les facteurs génétiques. Donc, qu'on peut le considérer comme étant transmissible et non transmissible en une seule fois? C'est-à-dire qu'on doit savoir, Shaola, la maladie, ou est-ce que Andra, un côté transmissible. Là, je crois que maintenant, je crois que tu as bien précisé que tu es génétique. Oui, parce que même, héréditaire. Héréditaire, c'est génétique. On peut transmettre le gène. On peut transmettre le gène non transmissible. Génétique, là, c'est des maladies non transmissibles, mais parmi toutes les maladies génétiques, mais si toutes elles sont transmissibles, quelques-unes sont transmissibles. Quelques-unes. C'est-à-dire quelques-unes Parce que c'est comme des virus ou là? Parce que la transmission, les parents, la transmission des gènes. Quand le génétique, donc transmission du gène. Par exemple, le sein, c'est BR3, BR4. C'est un gène qu'on transmet d'une génération à une autre. Donc, le cancer du sein, tu peux l'utiliser. C'est une MLT, maladie non transmissible. Mais, récemment, nous avons fait une maladie transmissible du gène BR3, BR4. Du gène. Comme le pour le moment, elle est considérée parmi les maladies non transmissibles. Là, 90%, elle est maladie non transmissible. Non transmissible. Quelques maladies, il y a un nombre de gènes qu'on transmet qui est héréditaire entre familles. D'accord? Donc, docteur, vous parlez, quand on dit transmissible, c'est d'un point de vue génétique héréditaire. Non transmissible, c'est du point de vue comme les maladies infectieuses ou bien contaminantes, etc. Non, non transmissibles. Non, c'est les maladies chroniques, non transmissibles. C'est le cancer, exactement. Le cancer, le diabète, l'obésité, l'hypertension, c'est non transmissible. Exactement. C'est quand on dit que c'est une maladie transmissible, c'est d'un point de vue génétique ou bien héréditaire, c'est ça? Qu'il y a deux grandes familles en médecine, qu'il y a les MNT et les MT. Les maladies non transmissibles, on comprend par là les maladies chroniques. Généralement, c'est le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires. Et donc, l'obésité. Et donc, les plus grands chapitres, c'est les MNT. Qu'il y a d'autres? Les maladies transmissibles, on n'entend pas maladies transmissibles, les maladies infectieuses. Mais parmi, c'est ce qu'il faut retenir, mais dans les détails, parmi les maladies génétiques, il y a des exceptions où la maladie génétique a dit qu'elle est en même temps transmissible. Mais oubliez, il vaut mieux garder en tête maladie transmissible, maladie non transmissible. Maladie non transmissible égale maladie chronique,
C'est pour ça que nous avons une maladie chronique et maladie transmissible. Donc, maladie chronique, nous avons une maladie non transmissible et maladie transmissible. D'accord? Oui, d'accord. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas les petits détails. Hein? Oui, exactement, c'est pour ça. Je ne sais pas, parce que le diabète, le diabète, je le considère comme une MNT. Une MNT. Or, voilà. MNT, mais je ne sais pas, maladie transmissible. Ok, quelques exceptions, quelques détails, mais je ne sais pas, le détail, je ne sais pas, maladie non transmissible, je ne maladie transmissible. D'accord? Oui, merci, docteur. Si vous... Encore des questions parce que nous avons le temps, Allah yibarak. Par exemple, il y a une série statistique des âges des personnes. Vous dites quelle est la variance? Et? Où est-ce que la variance? La variance? Il y a un nombre des âges. Âge, ça des personnes. Les modalités, mais chez les variantes, c'est où là les variantes? Non, c'est calculer la variance. La variance, la variance, c'est des formules. C'est calculer la moyenne ou bien c'est une formule, c'est la formule à la coulée, mais c'est une formule à la coulée. قريتو غادي تقراو لي بارامتر دو بوزيسيون لا مويان لو مود لا فاريانس قريتوهم نو نو ما قريناهمش ها هو غدوة غادي تعاودو معنا غدوة عندكم سيتي فورمولا اكس موان سي لا سوم تاع اكس موان اكس بار بو شاك فالور لا فالور موان لا مويان تكالكيلو دابور لا مويان من بعد تكالكيلو لا فاريانس ومن بعد غاسين كاري دو لا فاريانس سي دي كارتيب غدوة ان شاء الله غادي تقروها Mais j'ai pas la formule en tête, hein. C'est pas mon cours, hein. Docteur, est-ce que vous m'envoyez le... Alors, chauffe-vous. Un le cours, le premier cours, vous comme étudiant, si j'ai un ami fait une certaine soltanée. Mais je ne sais même pas qui rentre. Mais c'est pas grave. Aoud, bête, le père, donc, vous voulez comme le même? Une étudiante, bête, le père, ou bête, le deuxième cours, là, oui. Oui, cours, normalement. Là, c'est, bête, le wahda. وفي الليل بعثوا لي انا طيب ديبوزي اليوم الصباح ان سيغتان شرما قالت لي جو ميكسكيوز جي با فو دونك فو افي روسي شفتكم لي دو كوا البارح وي مدام يا خاصكم غير تاع اليوم وي تعتيدي وي هو تعتيدي غير جو كوريجي هذوك لي بتيت زيغور تاع لي زانترفال وين درت دي زيغور ونرسلها لكم داكور داكور سي كلير يا بلوس كيستيون سور لي تخوا كو il y a une question qu'est-ce qu'on peut avoir comme déterminant? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme déterminant? C'est quoi le déterminant? Déterminant de santé, normalement, on dirait même de tous les indicateurs. Les indicateurs de santé. Nice. Mais comme le programme, normalement, dirons les indicateurs de tout, la prévalence, l'incidence, la mortalité brute, la mortalité proportionnelle, de tout, C'est un cours. علاش تقريتوهم؟ قريناهم في لو ديسكريبتيف صح لي زانديكاتور هذوك سي لي زانديكاتور لي ديتيرمينون دو سانتي اللي قراكم لي زانديكاتور يديكم لي ديتيرمينون لي ديتيرمينون سي فاكتور سوسيو فاكتور سيكولوجيك سي دوتر زانديكاتور كي اجيس سور l'état de santé de la personne, qui n'ont rien à voir avec la mortalité, la natalité, la létalité, la prévalence, l'incidence. C'est des indicateurs de santé. C'est des facteurs de risque, docteur? Mais c'est des facteurs de risque. Ils peuvent être des facteurs de risque, mais c'est pas des facteurs de risque. C'est des facteurs qui déterminent l'état de santé de la personne. Par exemple, Hinaya, le facteur environnemental peut agir sur notre santé. Oui. Le facteur social, le facteur psychologique, c'est donc les déterminants de santé. Il y en a plus, ça n'a pas été court, mais c'est déterminants de santé. C'est d'autres facteurs
qui peuvent agir sur notre santé. On ne peut pas tous les considérer comme un facteur de risque, mais ça peut, ils peuvent être des facteurs de risque. Par exemple, l'environnement, par exemple, je prends l'histoire de la couche d'ozone, que quand je suis allé à mettre la couche d'ozone, c'est blessé, mais à un moment donné, il y avait un trou de la couche d'ozone, il y avait des rayons qui passaient, donc on risquait le cancer de la peau. Donc, le cancer de la peau est relié à un facteur environnemental qui est le rayonnement de, à cause du trou de la couche d'ozone. Par exemple, je prends le cancer, il a été démontré que l'alimentation riche en graisse, les fast-foods, etc., peuvent être responsables de l'apparition de certains cancers. Donc, il y a un facteur alimentation. Hédou, c'est pas des indicateurs de santé, c'est des déterminants de santé. Le facteur social, la pauvreté, ils peuvent agir sur l'état de santé de la personne. D'accord? Mais c'est pas des facteurs de risque. Ils peuvent être des facteurs de risque. Mais ça veut pas dire un facteur social est un facteur de risque. Un facteur de social, comme la pauvreté, comme peut être un déterminant de santé, d'accord? Oui, d'accord. Les indicateurs ou les déterminants. C'est bon? Oui, c'est bon, docteur, merci. Comme tous les gars, ailleurs, les commentaires, Il y a une question sur les commentaires, à propos de la surveillance dans les maladies transmissibles, définition et son but. Voilà. La surveillance, c'est collecter les données, les traiter, les analyser. Qu'on a, par exemple, sur une année, on a 300 cas de rougeole. Les 300 cas, vous allez les interpréter. De Goulou, il y a 50% de sexe masculin, 50% de sexe féminin, les enfants âgés de 9 mois à 18 mois qui font plus de rougeole, ces enfants font de la fièvre, font du coryza, etc., etc. Claymohom, à la fin de l'année, vous avez collecté les données, vous les avez analysées, vous les avez traitées et vous allez les remettre aux personnes qui en ont besoin. Par exemple, le service de la prévention du ministère de la Santé. Il y a la définition de la surveillance. La surveillance, on surveille, il y a des maladies, on les surveille au niveau national, il y a des maladies qu'on surveille en international qui sont au nombre de 10. Nous avons des réseaux, des sentinelles, nous avons des services de médecine de préventif qui surveillent certaines maladies. Par exemple, chaque semaine, on fait la collecte des données, qu'on envoie la DSP. Si on voit l'apparition de 5 cas de rougeole, on parle d'épidémie. Si on voit un cas de polio, on parle d'épidémie. C'est la surveillance. Alors maintenant, s'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a 2 cas d'une intoxication alimentaire, on parle d'épidémie. Donc, je surveille les maladies théoriques. S'il n'y a pas une augmentation de cas, s'il y a une augmentation de cas, je tire la sonnette d'alarme, j'appelle le ministère, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas à Blabès, il y a beaucoup de cas de rougeole. Le Covid, quand il est apparu, la Chine a tiré la sonnette d'alarme, parce que c'est une maladie qu'il faut déclarer à l'OMS, et elle appelle l'OMS, voilà, nous avons une maladie. Docteur? Oui, oui. J'ai une question. Oui, mais je finis quand même. Parfait. L'objectif, c'est n'afou cha'adna, on tire la sonnette dans l'âme quand il y a un problème. Hada makan. Oui? Oui. Docteur? Oui. Comment je peux faire la différence entre enquête de corps rétrospective, c'est-à-dire c'est dans l'exposition GEF, et la maladie aussi est arrivée, ou un an, ça y est, dit, c'est une enquête. Et entre l'enquête, 4 mois, il y a déjà rétrospective. Bon, mais pour donner ces questions à l'Amérique, on me chie,
Bossamel, je vais quand même répondre. Posez-vous des questions à l'écoute, tu vois. L'accord, je veux travailler, par exemple, sur le cancer sur 3 ans. Darouk, chaque maladie, j'ai dit là un questionnaire. C'est elle. Yes? Oui. D'accord, c'est le rétrospectif, le cas témoin, par exemple, je me fais le registre. Un registre de consultation, ne fait le registre, ne donne sur les 3 ans les tétons. À confirmer. Parce que le malade, par exemple, si le malade n'est pas là, ne fait le registre. Même si le malade est là, je peux quand même, par exemple, je prends 10 personnes, j'en ai une consultation, je veux faire mon travail sur le cancer du poumon, et l'une des questions, est-ce que, le cancer du poumon, il est là. La maladie, elle est là. Je reviens dans le passé. À l'instruction sur la consommation de tabac. Est-ce que ce qu'il y a il y a 3 ans? Est-ce qu'il y a par jour? Soit le registre, c'est-à-dire le registre, admis en arrière, soit avec les malades, c'est-à-dire sur le passé. Est-ce que c'est clair? C'est le cours rétrospectif. Posez la question, l'idée comme cours. Désolé, une seconde, oui. Posez-moi les questions, posez-moi les questions, c'est-à-dire qu'à la fin, vous les faites comme. D'accord? Entre tous les uns, on a un peu analytique. Docteur, il y a une autre question. Oui. En cas de dépistage, on peut voir des effets secondaires? Non, elle a un dépistage d'effets secondaires, elle a. C'est un test.